Il y a une musique secrète sur le zombie de MW3 dans l'éther noir et je vais vous expliquer comment l'activer. Donc pour accéder à l'éther noir, il faudra obligatoirement aller dans vos missions d'acte 4 et sélectionner la mission contre-mesure. Même si vous n'avez pas fini les autres actes, vous allez quand même pouvoir la sélectionner. Ensuite, vous lancez tout simplement la partie. Quand vous avez lancé votre partie, vous allez devoir vous rendre juste ici sur le gameplay, donc dans la zone niveau 3, sur la mission contre-mesure qui est juste là. Alors bien évidemment, avant de vous y rendre, je vous conseille quand même de vous équiper au maximum. Ensuite, quand vous y êtes, là, vous activez le portail. Et là, vous maintenez votre, vous ouvrez votre carte et vous maintenez triangle pour voter oui. Quand vous êtes dans l'éther noir, là, vous allez dans le stade qui est juste ici à côté. Donc à cet emplacement-là, vous allez voir qu'il y a trois objets à récupérer pour activer une musique. Alors la première pièce que vous allez devoir récupérer, elle est devant le stade. Donc juste ici. Vous avez une petite pierre, vous maintenez carré pour la récupérer. Et en plus de ça, il faut savoir que les pierres émettent pas mal de bruit, donc vous allez pouvoir les trouver assez facilement. La deuxième pierre, elle se trouve près d'ici, donc voilà, près du camion. Donc attendez, je vais faire un peu le ménage. Ok, donc juste ici, en dessous du camion, en dessous de la toilette, vous maintenez carré, vous récupérez la deuxième pierre. Et la troisième pierre, elle se trouve dans la petite salle en haut des estrades. Dans la pièce où il y a justement les visiteurs quoi. Donc vous rentrez dans cette pièce où il y a les spectateurs et vous récupérez votre troisième pierre. Dès que vous aurez récupéré les trois pierres, là il y aura une musique qui va commencer et vous allez pouvoir tout simplement profiter de cette petite musique tout en jouant aux zombies tranquillement.